hackathon. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus toen ik via Basics er de eerste keer van hoorde, dacht ik, een hackathon, wat is dat nu? En wat ik dacht, was dat ik ging meenemen aan een nieuw innovatief idee, waarbij er enerzijds studenten zouden zijn, start-ups en bestaande bedrijven uit de bouw, die samen zouden werken, een heel weekend lang gingen brainstormen, om dan eigenlijk te kijken of we nadien samen tot een idee konden komen. We have people with many ideas, different backgrounds, and we all try to work together and create some new solutions. Ma raison d'être présent, c'est de pouvoir développer une solution spécifique pour les métiers de la construction. I really want to help the construction sector to improve. Ik van mijn kant als ondernemer heb ingeschreven voor de hackathon, omdat ik denk dat een hackathon veel verschillende profielen bij elkaar brengt en op die manier een heel brede view en scope op de nieuwe digitalisering in de bouw kan brengen. Le fait de venir ici aujourd'hui me permet de présenter une autre idée que j'ai déjà en tête depuis un bon moment pour voir si cette solution est viable. To make it happen, to really make the best idea possible. I registered for the Hackathon Digital Construction because I'm personally very interested in new technologies, and this is the ideal place to meet other kind of people with the same interests. Bepaalde verwachtingen. Ik ben naar hier gekomen met een open vizier om vooral veel te leren. Ik had gehoopt dat ik leuke contacten kon leggen, dat we inderdaad een fijn groepje hadden waar we mee konden brainstormen. En tot nu toe zijn de verwachtingen eigenlijk ingelost. De sfeer is heel fijn, iedereen is heel open en het gaat heel gemoedelijk aan toe. Je me suis inscrit à ce hackathon clairement pour comprendre les besoins spécifiques du secteur de la construction par rapport à la gestion du matériel sur chantier et donc de pouvoir interagir avec des gens du métier de façon à ce qu'on puisse développer quelque chose qui soit le plus pertinent possible. And I want to learn lots also from other people and do some networking and stuff. My idea is that we can centralize all these user interfaces in one for basic data. Donc l'idée avec laquelle je suis venu à ce hackathon, c'est l'idée de Coco. Alors Coco, c'est un robot collaboratif pour la construction. On a travaillé sur ce hackathon de manière, on va dire, top-down, c'est-à-dire qu'on est parti des besoins des clients. Donc on a appelé plusieurs entreprises de construction pour valider un certain nombre d'hypothèses. Ce qui était intéressant avec ce hackathon jusqu'à présent, c'est de partir de cette idée très globale et un peu peut-être idéaliste pour aller vers cette solution beaucoup plus précise, mais qui permettra de cibler un premier marché avec lequel on peut commencer cette application. Là, une des grandes problématiques qui nous a été remontée par des entreprises de construction, c'est toute la perte d'énergie liée au suivi du matériel sur chantier, le fait qu'ils ne sachent pas sur quel chantier est le matériel, s'il est en bon état. Ik vind het heel verrijkend om met andere sectoren samen te werken. Er zijn zowel grote bedrijven als kleine. Er zijn ook mensen met een hele andere insteek. En het is erg leuk om te kijken hoe zij bepaalde zaken anders bekijken. Maar het is ook heel fijn om te horen dat alle bedrijven toch ook met dezelfde problemen worstelen. Die we dan ook samen kunnen oplossen. Ik vind het heel fun to work with people from other sectors, companies, you can learn a lot from them. De coaching is zeer interessant omdat zij eigenlijk niet constant het project opvolgen. Zij komen erbij, zij komen ons challengen, zij vragen zaken, zij kijken van de andere kant daarnaar. En het voordeel is dat het een frisse kijk is op iets waar wij al een aantal uren, dagen mee bezig zijn en dat brengt nieuwe inzichten. Ce que le coaching nous a apporté, je pense, c'est d'une part, en effet, comme on est le nez sur le guidon, c'est de par moment de pouvoir sortir et rappeler le cadre global. Et d'autre part, c'est aussi les différents coachs qui viennent avec différentes expertises. Et donc, on, à chaque fois, on peut être challengé sur des aspects différents, que ce soit le modèle économique, la problématique du client. Donc, il y a vraiment un chouette mix de profils qui ont pu nous aider et nous challenger. But mostly the teamwork, actually. Lots of gathering and teamwork, I like it. Yes. Wat ik er heel leuk aan vond, was dat het eigenlijk een bijdrage is die bedrijven vrijwillig leveren, omdat wij geloven dat samenwerking echt kan verbinden. More fun than I have ever thought of it could be. It's a great event.
Alors IoT Factory va clairement continuer et développer et finaliser le produit sur lequel on travaille aujourd'hui. Et par ailleurs, on a déjà ébauché des possibilités de partenariat et de relations avec les autres membres de l'équipe, donc ils vont, voilà, qu'on doit encore discuter, mais le projet va continuer, j'espère, avec tous ses membres. Als de team spirit even goed blijft als die nu is, denk ik dat er zeker een vervolg aan gebreid kan worden.